Ouais, c'est normal que ce soit un match très difficile parce que c'est un match à élimination directe. Vu leur histoire du match aller, on a vraiment à cœur de pouvoir réaliser un gros match et dans un grand jour pour arracher les tickets de la qualification. On espère avec le soutien du public parce qu'on a besoin d'eux, on a besoin de leur force pour pouvoir réaliser un gros match demain. Justement, le Moldeur bien joué en match aller, mais il y a eu ce manque de réalisme devant les buts. Est-ce que vous avez travaillé par rapport à ça? Bien sûr, bien sûr. Parfois, malheureusement, on joue, ça refuse d'entrer. Malgré qu'on a essayé de pousser durant tout ce match-là, on espérait pouvoir marquer au moins un but, mais ça ne s'est pas fait. Mais on a tiré vraiment beaucoup de positivité durant ce match-là. Et c'est ce qui a permis qu'on a pu travailler dur cette semaine-là pour pouvoir être prêt pour ce match si important qui nous attend demain, Inch'Allah. Demain, ce sera la première fois du Mouloudia dans ce nouveau stade de Douira. C'est bien pour vous en tant que joueur et même les supporters d'inaugurer ce point de victoire. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi ça nous tient vraiment à cœur de pouvoir marquer les esprits, de pouvoir vraiment sortir une première victoire et en même temps une qualification pour une première dans ce stade-là. Et donc, ce sera vraiment une soirée magnifique. Donc, on espère qu'on pourra réaliser quelque chose de grand demain, Inch'Allah. Vraiment, d'abord, je vais leur dire infiniment merci pour tout le soutien. Voilà, malgré que souvent c'était difficile, mais ils ont toujours été là pour nous, ils nous ont toujours soutenus. Donc c'est de cette force-là qu'on a besoin demain pour ce match-là. Donc on leur demande de venir massivement nous pousser jusqu'à la victoire et la qualification finale, Inch'Allah.